LGSM. What does that stand for, then? You get a garbled message over the phone. I thought the L was for London. London something. I never dreamed for a moment it was Alpha. Aye. This money you've raised, that's all from gays and lesbians. Mostly. Right. There we are. This is just the beginning. Oh. Mm-hmm. You've got big plans. Bonjour et bienvenue dans Avant Séance. Le principe est simple. Je vous expose en quelques minutes le contexte de réalisation d'un film et les infos qu'il peut être intéressant de connaître avant de le voir, sans aucun spoiler. La vidéo d'aujourd'hui est un peu spéciale, déjà parce qu'on est lundi, mais surtout parce qu'elle sort en complément d'un article de Simonet, Lesbienne et gay au charbon, l'histoire derrière le film Pride. Dans cet article, Maëlys raconte la grève des mineurs de 1984 au Royaume-Uni et le soutien inattendu qu'ils ont reçu de la part de LGSM, Lesbian and Gay Support the Minors, un groupe militant lesbien et gay. Le film Pride, sorti il y a tout juste 4 ans, relate la rencontre entre les mineurs de Dulé au Pays de Galles et les membres de LGSM venus de Londres et leur lutte commune contre la politique économique et sociale de Margaret Thatcher. Pride est assez fidèle à la réalité. Il y a eu quelques ajouts, notamment un personnage fictif, Joe, qui permet de traiter le sujet du coming out et de la majorité sexuelle au Royaume-Uni, à l'époque 16 ans pour les hétéros et 21 ans pour les autres. Et quelques scènes ont aussi été modifiées pour être plus théâtrales. L'arrivée des militants à Dulé a été beaucoup plus chaleureuse que présentée dans le film. LGSM a compris très rapidement l'importance d'avoir des archives complètes pour ne pas tomber dans l'oubli et a travaillé à la conservation et à la promotion de ses actions. Pour le coup, je pense que le film va aider un petit peu. I lost my younger brother to that pit. 36 years old, but without it, these villages are nothing, they're finished. That's what I'd say if I ever came face to face with Margaret fucking Thatcher. That's what I tell her. The pit and the people are one and the same. C'est le scénariste Stephen Beresford qui est à l'origine du projet de film. Quand il a entendu parler de la légende de LGSM pour la première fois, il n'y croyait pas. Il a décidé de s'en renseigner et, si l'histoire était vraie, d'écrire. Après avoir retrouvé la trace de plusieurs membres fondateurs de LGSM, il a décidé d'écrire un script, puis a passé plusieurs années à trouver un financement. Au départ, les anciens et les anciennes de LGSM n'arrivaient pas à croire que quelqu'un puisse aller voir un film à propos de lesbiennes et d'hommes gays qui apportent leur soutien à des mineurs il y a 30 ans. Le réalisateur, Matthew Warkus, a grandi dans le Yorkshire, près d'une des plus grandes mines de charbon d'Europe, et la grève de 84-85 a été un des événements clés qui l'ont aidé à construire sa conscience politique. Des membres de LGSM et de la communauté minière de Dulé ont été impliqués dans le film, que ce soit pour l'écriture ou en tant que figurante ou figurant. Ça participe à la justesse du propos qui ne tombe jamais dans la caricature. On peut néanmoins faire un gros reproche à Pride. Les membres de LGSM étaient communistes et c'était une part importante de leur engagement politique, ce qui a été complètement gommé du film pour ne pas se mettre à dos une partie du public américain. Comme quoi, 60 ans après le port de la drogue, les choses n'ont pas tellement évolué. Servi par un excellent casting, notamment Joe Gilgan, Dominic West, Imelda Staunton, Andrew Scott et Bill Nighy,
Pride a été largement récompensé et a reçu un accueil public à la hauteur de sa qualité. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces événements, je vous encourage vivement à aller lire l'article sur Simonet, le lien est dans la description. Instant trivia. Dans la scène du concert, une drag queen porte un panneau qui l'identifie comme Martha Scargill. C'est une référence à Arthur Scargill, président du NUM, l'Union Nationale des Mineurs, pendant la grève. Bon film !